Salut à tous les amis, c'est le Seigneur. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le tuto numéro 6 de modding, donc comment créer son propre bâtiment. Donc tout d'abord on va commencer par créer un nouveau dossier, donc moi que j'ai nommé hangar à paille, parce que pour moi ça va être un hangar à paille. Et dans ce dossier on crée un dossier texture. Donc maintenant on peut ouvrir Blender. Donc là, clic gauche pour enlever le petit affichage, double A pour tout sélectionner et X pour supprimer, et vous avez plus que la souris. Donc je sais pas si je l'avais dit dans la précédente vidéo, comment se déplacer sur Blender. Donc on utilise principalement le clic de la roulette et la roulette pour zoomer. Donc maintenant on va commencer par créer son... Déjà, on va déjà commencer par créer un cube. Donc vous faites la flèche au-dessus du contrôle A, mèche et cube. On va le déplacer d'un côté d'un axe. On va mettre un peu. Voilà. Donc après, on refait pareil, la flèche A, une petit plein axe. Donc là, ça va être notre axe. Donc ça qu'on va nommer charpente. Voilà, on va sur charpente, on sélectionne la petite clé, hop, là on prend mirror, là on reprend notre mirror qu'on a mis là, donc on appuie là, on enlève le X, on met Y, donc ça fait permettre de faire un axe de symétrie, donc ça on fait qu'un côté et ça sera de symétrie, pareil, clipping et U et V, et ça on peut réduire un peu, on ne touche plus. Donc pour modifier les objets, donc ça va se passer ici avec le object mode et on faut se mettre en edit mode. Donc on peut modifier les objets par 3 points, donc soit par un point, soit par une arête, soit par une face. Donc on va prendre la face, clic droit pour sélectionner, on abaisse, on va faire notre poutre, hein. Et là, pour les rejoindre, on prend celle-là et hop, voilà un peu petite. Hein. Un peu grande. Hop, hop. Donc voilà. Donc on sait, on laisse sélectionner la face du dessus. On fait CTRL R. Clic droit. Clic gauche et voilà. Donc là, on se remet bien en vue de. Sélectionne notre face, on sélectionne la face, on appuie sur E et on monte. On enlève le clipping pour pouvoir les écarter. Donc ça, on abaisse un peu, on remontera après. Donc là, on resélectionne la face, on fait de nouveau CTRL R et voilà. Donc on se remet en sélection de face, E et on monte. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va permettre de les. Les faire rejoindre. Voilà. Donc là, on va se mettre en vue. L'autre côté, je vais. Voilà. Donc c'est en vue left. On appuie sur R et on marque 190. Donc là, on appuie sur le clic gauche. Pour que les deux se rejoignent proprement. Voilà. Et après ça, on les abaisse un petit peu. Ça fasse. Ouais, ça fait pas mal. Donc ensuite, vous pouvez voir que là et là, c'est pas pareil. Donc on se met en vue d'arête. On sélectionne l'arête ici. Donc on va se mettre en white. Et on écarte un peu. Pour que ça le même épaisseur. Donc maintenant on se remet en vue de face, on va faire rejoindre les
les deux parties là, je vais vous montrer ici, les deux là proprement. Donc on sélectionne la face là, on va monter le plus près possible. On sélectionne la face, on fait un CTRL R. CTRL R. Voilà. On se met à peu près comme ça. Pour que là, ça rejoigne à peu près là. Ensuite, on reprend la petite face. CTRL R. Voilà, ça c'est à peu près. Donc maintenant on prend la vite face là, on fait X pour supprimer la face, on appuie sur face. Maintenant on fait pareil là, X, face. Là, on va sectionner par un point pour rejoindre en fait là et là. Donc on appuie ici, on appuie sur la flèche du contrôle, là on appuie ici. Et on fait Alt M. Last, last, entrée. Donc, pareil là, clic gauche, non, clic droit, pardon, sur le point, la flèche, et on appuie ici sur le, la flèche, et on fait Alt, M, entrée. Donc, maintenant on va derrière. Toujours pareil, clic droit, la flèche, autre point, Alt, M, entrée. De nouveau pareil, clic droit, la flèche, tac, Alt, M, entrée. Et voilà. Donc maintenant, on a... C'est comme... petit souci là. C'est pas trop mal. Tout à l'heure quand j'avais fait le truc. Donc voilà, vous avez votre charpente vraiment très très bien modélisée. Donc maintenant, on va faire les pieds. Donc on resélectionne la vue de votre face. On appuie là, E, et on abaisse. On abaisse, on fait comme ça, encore un petit peu. Voilà. Donc maintenant, on sélectionne là, on va appuyer sur E pour un peu les écarter. Ça va être un peu plus large que le... la charpente. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, on va remonter un peu aussi ça. À peu près pareil. Donc, voilà, on a fait notre charpente. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc dans le prochain épisode, on va faire les blocs de fondation en dessous et on va commencer à mettre les textures. Donc à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.